Likez dans tous les groupes. La situation de notre pays, nous allons un peu parler. J'espère que vous allez bien. Après la belle victoire des Argentins, voilà, nous sommes les fanatiques de Ronaldo, ça fait mal. C'est comme l'eau d'oignon. Voilà. Voilà, on dit chapeau aux fans de Messi. Mais le football, ça s'est déjà passé. Nous allons parler de politique. Franchement, notre pays, ça devient autre chose. Là, il m'a dit aujourd'hui, qui a peur, il vit dans la peur. Remarquez aujourd'hui à Kaloum, le soir, tellement de chars de combat. Vous vous dites que non, le pays même est en état de siège. Mais là, il m'a dit, Ambarafounyene. C'est-à-dire, quand lui se déplace, son déplacement pour aller à Forcaria, son retour chez Takana, tout ça, une fois que lui, il est hors de Conakry, les garnisons militaires, les militaires sont condamnés à rester. Personne ne doit sortir. Mais les militaires, je vous dis, ce n'est pas là, il m'a dit, c'est vous. Vous-même, vous voyez le pays actuellement, dans quelle situation vous êtes. Vos conditions de vie. Ora Malessare. Idi Amin vous disait ici un moment, non, vous avez vu la différence. Le prix de riz, c'est combien? Sur vos salaires, là, c'est combien ils mettent? C'est-à-dire, quand là, il m'a dit, doit se déplacer, vous, là, vous devenez des prisonniers. Vous, les militaires, là, dans les garnisons militaires, vous ne devez pas sortir. Vous êtes assis. Regardez le pays aujourd'hui. Regardez la situation du pays. Comme Al-Kokalta maintenant. Mais là, il m'a dit, moi, ce que j'ai à te dire, ne te fatigue même pas. Itena wala yorossi. Partagez. N'oubliez pas de mettre des cœurs. Itena wala yorossi. La peur, là, ça va t'emporter. La peur que tu as, là, ça va t'emporter. Parce qu'aujourd'hui, c'est la misère, c'est la misère. Tu es venu supprimer les emplois. Rien du tout. Politiquement, tu as mis le pays à terre. Fouille. Fouille. Les militaires, là, je vous ai dit, une fois que vous êtes unis, là, c'est fini pour ce bandit. L'enjeu, c'est grave. Ce n'est même pas le professeur Alpha Condé. L'enjeu, Simandou est là. Réveillez-vous, les soldats patriotes. Sinon, le revenu de Simandou, la Guinée ne va pas bénéficier. Le bandit aujourd'hui s'en fout. Il est là que, il est là que pour son intérêt personnel. Les militaires là, soyez solidaires. Regardez aujourd'hui. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte que là, il m'a dit, lui soit la tête du pays aujourd'hui. Vous n'avez pas honte. Il n'a ni le niveau, ni le niveau, ni le savoir-faire. La hiérarchie dans l'armée aujourd'hui. On dit l'armée, c'est ça. Hiérarchie. Où est le respect aujourd'hui? Ça ne vous dit rien. Un lakoudou vous commande aujourd'hui. Un lakoudou vous dit tout ce qu'il veut aujourd'hui. L'armée. Asseyez-vous. Comme l'a dit Toumba, c'est le fer qui coupe le fer. C'est la force qui arrête la force. Mais asseyez-vous. Asseyez-vous. Il va bien à soi. Il est en train de former ses petits actuellement. À Forcaria, vous allez tous partir. Doumbia s'en fout. Lui, il est en train de gérer le pays comme entreprise privée. Asseyez-vous. Comme on a au Mukelma, au Doromène, au Kamemane, à Anouge, Aura Yagi. Vous avez vu les 42 généraux. Après, le commandant, le colonel, comment il les a fait? Il y a eu quelles mesures d'accompagnement? Les promesses tenues compte pour les généraux. Mais vous êtes toujours assis comme des peureux. Restez assis comme des peureux. Restez assis. Lorsqu'il a fait le coup d'état, c'est un mensonge qu'il a eu à dire. Il a respecté quoi? Nkaole Fomboliniana, ni Dankate Moko, Kambere Bayen ici. Un bandit vient faire le coup d'état, Kono, au troisième mandat. Kono, élection, c'est rentré, c'est sorti, qu'au pauvreté. Qu'est-ce que le bandit a pu mettre en place?
Qu'est-ce que le bandit a mis en place à nous signer? Vous avez peur. Ne vous organisez pas hein, pour faire partie du bandit. Aïtala Bombay, vous les militaires. Parce que chaque jour, il ne fait que finir avec vous. Il y a combien de soldats qu'il a éliminés? Depuis l'arrivée de l'Aïmadi dans l'armée guinéenne, c'est le désordre total. Au camp de Kindia, M. Kondé et son enfant, ils ont monté de faux coups au temps du Prince Alpha Condé pour bien asseoir leur coup d'état. Ils sont allés mentir sur le monsieur et son enfant. Ils les ont éliminés. Et ils ont éliminé des hommes forts derrière M. Kondé. Et après ça, le camp Alpha Yaya, c'est pourquoi quand je vois des Grecs parler, si vous saviez parler là, parler, les jeunes forestiers que Doumbouya a maté, mais tout ça c'était leur coup. Tous ceux qui étaient forts. Pivi, aujourd'hui tu es où? Quand Lama est venu te parler, ils vont faire le coup d'état. Vous avez gardé la haine. Aujourd'hui, le résultat, c'est où? Doumbouya est venu. Ils ont monté des coups pour faire partie. Nous, Tcham, De Gaulle, l'aide de camp de général Sekouba Konaté. Ils ont préparé tout ça là pour aujourd'hui. Vous êtes tous assis là-bas. Ouvrez vos bouches là, seulement, asseyez-vous. Alma Fossi et Fonambao. Doumbouya n'a rien commencé d'abord. Il ne vous a pas humilié d'abord. Il n'a pas fini encore avec l'armée. Asseyez-vous. Asseyez-vous, il va finir de former ses milices. Vous avez parlé de Kalea, non? De Dadis. Pour Doumbouya, ça va être pire. Asseyez-vous. Ambrakoumalounye. Ambrakoumalounye. Altamena. Sosine Alkuna. Bandilusine Alkuna. Narkoulusine Alkuna. Vous avez cru que le problème, c'était le professeur Alpha Condé. Le professeur Alpha Condé a développé la Guinée. Tous les chantiers dont les bandits sont en train d'inaugurer aujourd'hui, c'est les chantiers du professeur Alpha Condé. Le financement. Dites-nous si les bandits là ont pu trouver un financement ou même trouver de l'argent. Personne ne va investir en Guinée actuellement. Parce que c'est un narco, parce que c'est un bandit, parce qu'il n'y a pas de dialogue dans le pays actuellement. Il n'y a pas de garantie. S'il y a garantie, c'est quand il y a l'entente, les leaders politiques, là, les grands partis, là, ils sont autour de la table. S'il y a un gouvernement de consensus, mais un bandit qui n'a pas été élu par le peuple de Guinée. Le bandit vient asseoir son pouvoir et le bandit continue à faire son sale boulot. Vous êtes tous assis. Oulumeni, que vous êtes des militaires. Asseyez-vous. Al-Kanaïgouri, Al-Yalsi, Han Ayeba, Allah peut-tu le former là? Il n'a qu'à finir de former les petits de Forekaria. C'est là que vous allez comprendre que le Laïm a dit il est pire que jamais. Al-Yalsi, Al-Kanaïgouri, aujourd'hui, tout le monde, dans les garnisons aujourd'hui, tout le monde est fâché. Mais c'est le courage. Si vous n'avez pas le cœur, là, vous ne pouvez pas. Si vous n'avez pas le courage. Hé, Djamate Doumbouya Ko, Mrao Falignene. Il n'y a personne derrière lui. Tout le monde a peur. En fait, les gens font semblant. Quand il est là, oh, Menge. Mais au fond, toi-même, tu souffres. Il a apporté quoi comme bonheur? Il a fait quoi de mieux que le professeur Alpha Condé? Les militaires. Le ravitaillement. On vous retire le ravitaillement. Qu'on va vous donner l'argent. L'argent combien? 200 et quelques mille. Le prix du riz c'est combien? 300 et quelques. Il a changé quoi? Vos conditions de vie. Qu'est-ce que le bandit a changé? À part les preneurs de décision là. Ceux qui vous disent, hey, restez là. On vous garde comme des poulets. Quand le bandit sort de Conakry, les garnisons, vous êtes tous des prisonniers. Personne ne sort du camp militaire. Asseyez-vous. Il est venu, il est rentré, il a pris le dessus sur vous, il est en train de vous mater, vous êtes assis. Il fait venir des légionnaires aujourd'hui. Payé à combien? Plus de 5 000 $, presque 50 millions par mois. Vous êtes assis. Le bandit fait ce qu'il veut. Il veut de l'économie guinéenne. Tout est à terre. Économiquement, tout. Il a fait quoi de mieux que le Fama? Malgré les crises, le pays est à l'aise. Al-Sini toujours. Moli Okumala, Kolislana. Aliyetoslano. Fodola Kedi. Fodola Ked. Nalma Kaldibala. C'est ça. Al-Sini Kinya Belay Madima. Ayaka Kassaoke. Vous êtes tous assis. Le soir, Kaloum aujourd'hui devient un camp militaire. Il met des dispositifs partout. Et ça, c'est un pays, ça. Vous le voyez. Allez s'asseoir à Zion City où on prend
la drogue. Et Massalé, oui. C'est pas une honte pour dire que le gars là, le bandit là, c'est lui qui gère la Guinée. Allah, Altal Sabaré, Al Nyama Kaboutou. Eh, la Guinée sera silo. Altal Nyama Kaboutou. Altal Nyama Kaboutou. Hein? Faites quelque chose, sauvez ce pays. Comme les politiciens là aussi, ils ne veulent pas aussi s'assumer. Parce qu'il faut des Oussou qui devait sortir. Non, là, il m'a dit quoi, Ken Monet. Quand il est venu, tous les détenus, il les a libérés. Le Guinéen, oublie vite. Courant, Kaleta, soit petit, tout ça, la route nationale, tout. Le changement, on a oublié. On dit, oh, c'est le sauveur. Non, on ne va pas répéter les erreurs du passé. Tous les gros mots, les journalistes du bar café, on ne va pas répéter les erreurs du passé. Où est Fonike Mangue aujourd'hui? Où est Ibrahim Diallo aujourd'hui? Fone Oussou, à l'aéroport, qu'on retourne-toi. C'est avec le professeur Fakonde, on le traite de tout. Il a changé quoi? Le coup d'état là. Quand je vous dis, il y a eu des élections, même si d'autres étaient contre le professeur Fakonde, même d'autres étaient contre les élections, on peut comprendre ça. On peut négocier autrement. Mais un bandit qui fait un coup d'état juste pour sauver sa tête dans l'affaire de drogue est en train de détruire le pays. On est assis. Les leaders, au lieu de se donner les mains, au lieu de taper fort, vous êtes tous assis comme des peureux. Restez là. Il va vous ramasser petit à petit pour vous mettre dedans. Parce qu'il avait compris que le FNDC, c'était la seule force qui pouvait les contrecarrer, dire beaucoup de choses. Là, il m'a dit, il n'a pas peur. Il a tapé sur ces gens-là. Où sont les leaders du FNDC? Si vous, les leaders et la société civile, vous ne voulez pas vous lever, asseyez-vous. Billahi, la Guinée décale au Somalie. La Guinée deviendra comme la Somalie. Là, il m'a dit, elle est là pour plus de 10 ans, si rien n'est fait. Plus de 10 ans, je vous dis. Ça, je vous le dis, hein. Il est en train de préparer ses milices. Vous pensez que le bandit est prêt pour partir? Vous savez que le bandit ne va pas sortir hors de la Guinée. Il n'a pas de projet, il ne peut rien faire. De la manière dont le professeur est sorti, trouver autant de milliards pour la Guinée, la route nationale, l'électricité, beaucoup de projets pour ce pays, le bandit ne peut pas apporter ça. Et on a assis les démagogues. Ousmane, Lansana Kouyaté, Manyamboye Kamibo. Toi, tu vas venir te flanquer, Lansana Kouyaté, parler de Dr. Kassori. Tu as été premier ministre, tu as apporté quoi? Dr. Kassori, Agnès Anafik. Tous ces programmes-là, dans le gouvernement du professeur Alpha Condé, c'est lui. Voilà. Un premier ministre avec programme. Toi, Lansana Kouyaté. Foda Baya. Parce qu'ils sont dans des problèmes, tu es content. Toi, on te met aujourd'hui avec Damaro. Damaro te bat. On te met avec Dr. Diané aujourd'hui. Kankan, il te bat. On te met aujourd'hui avec Dr. Kassori même. Il te bat. Monsieur Oye Gilavogui. Anouli Silabi, Dabaya Labi. Nous sommes des amis, nanana, dans ce qu'ils sont moi. Il est de Moufarnien. Autant de Kadhafi ici. Ni Dabayate. Toi, tu vas nous dire quoi? Vous pensez, c'est-à-dire qu'il faut compter sur le malheur des autres pour espérer quelque chose. Hein? Des gens comme les Lansana Kouyaté, les Ousmane Kaba. Vous avez tous travaillé dans l'administration ici. Vous allez nous dire quoi? Souhaiter le malheur des autres pour que vous vous deveniez un des premiers. Mais Agnewam, Adekal Benyakoroya, Dieu ne dort pas. Hein. Allah subhanahu wa ta'ala ne dort pas. Au lieu de dire la vérité à ces bandits, vous avez refusé le professeur qui a donné l'électricité. L'électricité. Albert Kra, premier ministre, qu'est-ce que vous avez apporté? Des menteurs seulement. Des menteurs réunis. Vous avez apporté quoi? Le professeur Fakonde, il a un bilan. Kaleta. L'hôpital donc à 70 millions. Al-Kata Moufala, na fiatou, un vieux Nyangbo. C'est ça même Idrissa le précieux. Manyangboye Kalansana Kouyatebo. Manyangboye Kalbo. Vous étiez là, le professeur Fakonde. Walloy, à la moelle. Et là, c'est Loudale. Chef de file de l'opposition avec un budget. Sidi Atouré, haut représentant du chef de l'État. Lansana Kouyaté. Alliance avec des ministres. Tous ces militants l'ont quitté.
à cause à la Nyangboya Kosson, tellement que Nyangboli, Nyangbo Ousmane, Lansana Kouyaté, et professeur Yomouke, il s'est rabaissé. On l'a insulté dans ce pays. Les journalistes pouvaient vomir sur le professeur Fakonde. Les blogueurs pouvaient l'insulter. Pas de mandat d'arrêt contre quelqu'un. Les journalistes, autant du professeur Fakonde. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit ici? C'est quand les gens ont commencé à exagérer, il y avait trop de morts, qu'on a interdit les manifestations. Vous allez dire quoi du professeur Fakonde ici? Il est Nyangbo Koro, l'ancien Kouyaté, culé de Kerr. Il faut dire, là, il m'a dit, d'enlever tout le monde. Aliyeta Kiblaï, Nita Te Nyangbouyaï. Ton parti est implanté où? À zéro que tu peux gagner qui? Devant qui là-bas? Il est dit gagner mini. Au Fouta, tu vas gagner où? En Basque, tu vas gagner où? Mais Nyangbo Koro, Nyangbo. Ouais, il faut les gens du RPG, même après le procès Fakonde, le candidat que le RPG va présenter, à Beka Lokaditimi. Beka Olon. Mais tellement que Nyangboya Alfariro, Nyangboya et Alfariro, ils ne veulent pas entendre Seloudale, ils ne veulent pas entendre Sidi Touré, ils ne veulent pas entendre Dr Kassori. C'est-à-dire c'est eux, ils sont en bas, en train de pousser le bandit à éliminer tout le monde. M'a dit que Ben Yakoraya, là il m'a dit, devant tout le monde, qu'il y avait la pauvreté. C'est quoi aujourd'hui? La misère. Qu'il y avait crise politique. Aujourd'hui c'est quoi? C'est la population qui est en train de dormir, continue à dormir. Les militaires aussi en train de dormir, continuent à dormir. Beïssi Kinyabe, Nyangbolu, Ousmane Kaba, des gros menteurs comme ça, ils étaient là à dire qu'il y a des cadres qui ont 1000 milliards sur leur compte. Tellement que n'a filo al temaliala. Alors tal timbrina douna. Un cadre qui a 1000 milliards, 100 millions. Même son département, le budget n'a pas été donné. Où il va prendre ça? Mais tellement que n'a fia via fortement aligné. Al temaliala fou, ces gens-là. Ousmane Kaba n'a da, l'ansana Kouyaté n'a koum, n'a filou, al-Bresila, kake, via bafo et tout, 1000 milliards, un cadre va, même le budget alloué à son département, ce montant n'a jamais été donné. Mais ils n'ont pas honte pour dire que non, 1000 milliards a été retrouvé sur le compte des anciens dignitaires, Nyangbouya Soleman, Kamon la Bouyanye. Mais Adi Kalbenye non, et comme il y a bala, daro, al-Kiyama, Abedi Kiti. Na fia kuma ouruye. Le kato, toi tu vas te comparer à Dr Kassori. Lansana Kouyaté, toi tu vas te comparer à Dr Kassori. Dr Kassori n'a pas été un premier ministre qui est venu se pavaner. Il est venu avec un programme. C'est pourquoi le professeur Fakonde l'a choisi. Agnès aujourd'hui, c'est le programme de Dr Kassori. Un président choisit des hommes compétents. C'est pourquoi il a choisi Dr Kassori. Agnès en a fait tous ses programmes. Voilà. Tu es un premier ministre compétent. Alou nyang bosuya lu tede, dabalu. Alou nyang alousuya kotede. Alou kato mi fala mo lunyane. Pourquoi être jaloux de vos amis comme ça? Hein? Si ce n'est pas une honte, vous là, vous dites que vous êtes démocrate. Un bandit vient. Où sont les corps du 5 septembre? Où sont les victimes? Les parents des victimes aujourd'hui. C'est leur situation. Après que vous êtes des démocrates. Nyang bo korolo. Ante wama. Ante wama, alimire ya kwa dumbe ya yara kata adila luma. Alima fosi yifanamba. Alalisi kalinyabe. Alate jito nonoro. Wallahi, alate jito nonoro. Alu nyangbo korolo. Alate jito nonoro. Tellement qu'ils sont méchants, ils sont remplis de haine. Si vous voyez que le bandit là aujourd'hui n'arrive pas, il va pas voir le bout du tunnel, c'est à cause de ces gens-là. C'est à cause de ces gens-là. Les Ousmane Kaba, les Lansana Kouyaté, les Komaral, c'est eux. Nyangbolu, alors c'est fausse là. Vous ne pouvez pas vous arrêter devant les Guinéens. Qui va voter pour vous? Qui va voter pour Lansana Kouyaté? Qui va voter pour Ousmane Kaba? Qui va voter pour Komara? Malsi ni Nyangboya là, parce que le bandit a pris le pouvoir aujourd'hui. C'est vous qui êtes en train d'induire Laï Madi en erreur aujourd'hui. Laï Madi a déjà échoué, c'est fini. En sinutum, Doni Botan Kuna Lomina, Anya Olema Kona Latum. À la taco, nous sommes assis, on attend seulement. Sinon, pour Laïma, c'est fini. C'est fini. La population aujourd'hui, dans sa majorité, personne ne veut de ce bandit-là. Et on fait un coup d'État. Au moins, tu mets un gouvernement d'union nationale, tu parles des élections, mais tu viens, tu enlèves un président élu. D'abord, tu es un traître, tu trahis ton bienfaiteur. Économiquement, le pays est à l'aise, malgré les crises, malgré tout ce qu'on a traversé.
Le pays économiquement était en chantier, sur la voie de l'émergence. Vous, les bandits, vous venez bloquer tout aujourd'hui. 11 700 Simandou, travailleurs assis. 12 500 fonctions publiques. Vous avez apporté quoi comme bonheur aux Guinéens? Vous avez apporté quoi? À part aller se pavaner seulement. Parce que le gars, il n'a même pas de programme. Il n'a pas de bureau. Une honte. Et c'est vous qui êtes là aujourd'hui, les Baouri, les Faya, des escrocs comme ça, là, à soutenir le malheur des Guinéens. Le professeur, lui, il est en train de faire l'électricité. Vous avez aujourd'hui des clims. Si vous avez honte, là, vous n'allez pas soutenir ce bandit-là. Si ce bandit-là a eu la force, là, c'est grâce au professeur Alpha Condé. Si ce bandit était à la tête du force spéciale, c'est grâce au professeur Alpha Condé. Si les forces spéciales ont été créées, c'est grâce au professeur Alpha Condé. Mais comme Nyangbo l'a dit, vous êtes des escrocs tous. Parce que la chance que Dieu a donnée au professeur Alpha Condé, Alma Soro, vous êtes remplis de haine, jalousie. Sinon, la vérité est là. Là, vous êtes des économistes. La croissance. Alte Maloya la feu. Alte Maloya la feu. Mais Dieu ne dort pas. Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala fait, c'est bon. Là, il m'a dit, je vous ai dit, il ne verra pas le bout du tunnel. Regardez, tous ceux qui ont applaudi, qui ont dansé, tous ceux qui étaient contents aujourd'hui, hier, le 5 septembre, aujourd'hui, là, c'est comment? C'est comment? Alors, c'est comment? Tu vas demander des Guinéens aujourd'hui, on préfère avant le 5 septembre, la majorité, parce que le professeur, quelqu'un qui est réfléchi, qui est sage, là, il s'est dit, je suis le président de tous les Guinéens. Il y a certaines décisions, là, tu réfléchis mille fois d'abord avant de prendre. Mais on a un bandit qui est là. Ils viennent, ils prennent des décisions bidons, entourés que des tocards. Il y a eu quel changement? Il y a eu quel changement? Son bazan tani kasimol konal bra prela butu kanyake sou koui. Momo bra le manamana kando folane yene butu. Kono kang bansani. Manamana kang bansan kwa. Des bandits réunis, des vendeurs de drogue kang bansani. Mais c'est un bansan. Moi je ne m'associe pas avec des bandits. Hein. Je m'associe avec des intelligents. Haklimal. Momita bana sourode. Sous l'ombali, n'était que la sous l'ombali fait. Momita souffert, n'était que la fait. Sous l'ombali, n'était sous l'ombali fait. Voilà. Donc, Alkana en sous mangbouya sous l'ombali. Qui l'a boutou kono. Ko anya han kiri sera. Pouvoir kanaketa. Donc, moi je vais vous laisser la famille. C'était pour dire un peu aux soldats guinéens. Trop, c'est trop. Franchement, c'est déplorable, c'est décevant, c'est honteux d'avoir ce bandit toujours à la tête du pays. Nos mamans, tout le monde pleure. Tout le monde pleure. Tout le monde pleure aujourd'hui. Tout le monde, tous les secteurs, ça pleure. Bey Kassila. Tout le monde. À cause de ce bandit. Wallahi, Beynia Makaboutoum, Fla Kote, Manika Kote, Soso Kote, Berse Kote, la Guinée-là entrée en jeu aujourd'hui. Ambra Walatan, Simandou Ko, Abraban, Simandou intérêt Abraban, ils vont tout bafouer, la Guinée ne va pas profiter. Le bandit et sa famille, et Fantagbe aujourd'hui, ils ont fait sortir combien d'argent pour Fantagbe? Là, il m'a dit, Nadelou.